Salut à tous les amis, Under Iceland est actuellement terminé, il contient 20 épisodes qui durent entre 30 et 40 minutes. Pour éviter de vous lasser, j'ai donc décidé de les couper chacun en 3, ou 2 ou 3, afin qu'ils ne durent pas plus de 10 ou 15 minutes chacun. Ils seront diffusés du lundi au vendredi, soit 5 par semaine, à vous de les suivre comme une série divertissante, sans vous prendre la tête, un peu comme un dessin animé. Bon visionnage à tous, ciao! Je crois qu'on va prendre des flèches normales. Hein. On va se préparer. Fire, Knocken, machin, Love, TNT. TNT sont bien. Flèche. Voilà, flèche normale. Du coup, bah, on est prêt. Ça va être la nuit. On va manger, encore une fois. Je sais pas, ça me fait peur ce bouton. Je vais ranger. Je vais durer le suspense. Ok, oh, on a récupéré des trucs, quand même. C'est quoi, enfer? Bon, faire. Bon, allez. C'est parti. Oula, c'est quoi ça? C'était un lapin, quoi. Je l'ai dégingué. Il m'a looté quoi? Cannibal Strou. Ah, ben on a... Oh, bah du coup, on a... Attends, ça, c'est quoi? Ah non, Beetle Foot. On n'a pas un truc... un lapin. C'est pas un truc... non, je pense pas que... De Dodard. Ça n'a pas l'air. Bon, bah écoutez. J'entends encore un zombie. Hein. Ah, il doit être dehors. C'est la nuit. Et si je fais ça? Bon. Ça me donne pas un truc que j'ai gagné. Pomme dorée, ça je l'avais déjà, je pense. Quoique, attends. On a gagné ça. Et ça. Ah, c'est une pâte de lapin. Ok. Et ça, une soupe sympa. Bon, ok, et eh ben... Ah, la lave, elle est là-haut. Bon, ma foi. Eh ben... Y'a rien de particulier. Hein. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y avait un passage. Ok, bon, il n'y a pas qu'un passage. Là, il y a aussi des bestiaux. Ouais, ouais, c'est bon, je viens de combattre plein de copains, là. Allez, on joue un petit peu à la flèche, si vous voulez. Je suis immortel, les amis. C'est vrai que l'armure, elle bronche pas. Hein. Bon, et puis, bon, c'est vrai que les explosions, je les ai désactivées. Enfin, les explosions de Creeper, c'est ça qui pourrait faire, mais bon. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. J'ai pas un petit lit, là, pour dormir. On va essayer de dormir. Et puis, on va essayer de rentrer, aussi. Bah voilà, on peut dormir. Il y a les amis à côté, mais on peut dormir. Ok. Je vais quand même pour finir. Oh, toi, je t'ai pas vu. C'est bon, toi. Ouais, je m'en fasse un petit Enderman avant de partir. Ouais, moi de toute façon je suis nul avec les creepers, donc autant qu'ils m'explosent pas à la gueule. Oh bah il y a même un marchand. Allez, on va faire cracher les lamas. Ouais, je tue tout le monde maintenant, fini. Les lamas j'en ai plein, donc... Nah. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va jeter un oeil quand même là-haut. Ouais, on va jeter un oeil là-haut rapidos. Des fois que... Parce qu'il disait tuer le machin dans la lave. Oui, bah ça doit être le lapin, hein, ça doit être ça. Hein, je vois pas ce qu'il y a d'autre dans la lave. Voilà, ici, ah bah si, là, il y a un endroit là. Tu crois qu'on peut aller là-dedans? Il y aurait un truc secret. On va mettre de... un seau d'eau. J'espère que j'ai un seau d'eau. J'en ai deux. Putain, j'ai un bordel encore. Voilà. Bon, je trierai tout ça plus tard. Hop, ça aussi, voilà. Du coup, je vais prendre mon seau d'eau. Enfin, mes seaux d'eau, mais je vais en prendre deux même. On va essayer de voir ce que ça peut faire. Ou alors, faut creuser ici, à mon avis, ça fait tomber l'eau. Et ça nique le volcan. Non ?
Allez, on monte. On va essayer de retrouver où est ce volcan. Oh, ça aurait pu creuser. J'aurais pu creuser, hein. Parce que là, il y a un... À mon avis, la flotte, elle arrive de là. On va y arriver, on va y arriver. On était pas loin. Ah non, il y a un autre endroit. Ok, il y a une caverne. Est-ce qu'il y avait un truc à voir? Puisqu'on est dans le volcan. D'accord, là on est dehors. Oh, j'avais même pas vu que ça coulait là, moi. Ok, ça amène nulle part. Hop, on remonte. On va essayer de voir là-haut. Il n'y avait rien au plafond. Oh, j'essaye de voir hein, s'il n'y a pas un trésor caché. Du coup, là, on est à l'intérieur vraiment du volcan. Ouais, bon, bah, il n'y a rien. Ah, quoique. Voilà, j'éteins le volcan, moi, parce que je suis comme ça. Non, bah, rien de particulier, je pense, hein. Là c'est où on était, pas particulier, rien de particulier ici, on a tué le lapin tueur. Ok, bon, allez, je me rentre. Aujourd'hui c'est le grand jour, on va enfin affronter la tour, j'en sais rien, le manoir je veux dire, ici là, le machin, ce truc là, parce que là, la dernière fois on avait fait le Messin, où on a affronté un lapin tueur. Oula, ça va être la nuit. Et avant d'y aller, parce qu'il y a toujours un avant, hein. Faut toujours qu'on fasse deux trois trucs, ça s'appelle donjon craft. Donc il y a des crafts et il y a des donjons, ben, il y a de l'aventure et il y a le chat, le gros matou, hein. Toi tu es là sur mon lit depuis le début. Dernier mode qu'on n'a pas trop exploré, c'est un peu les charmes. C'est-à-dire que je les ai récupérés au fur et à mesure dans les loot bags. Mais maintenant que j'utilise, je les ouvre plus les loot bags. Voilà, avec tout ce que j'ai. Voilà. Maintenant, on va s'en fabriquer un qui, c'est celui-ci, qui est le Hank Charme, qui permet d'immuniser contre à peu près tous les effets négatifs. Donc, eh ben j'ai tout préparé. Et donc il suffit simplement normalement de prendre le ring, celui-ci, et de le cumuler avec celui-là. Ne marche pas. Ah merde. Ça aurait dû. Pourtant, ils disent que pour avoir ça. À moins que je l'avais déjà. Pourtant, c'est bien ça. Avec un Ring of Overclocking. Ouais, avec un Shulker Heart. Avec un. Ah, mais c'est dans une enclume. Ok, lis tes crafts. Lis ce que tu as à faire, mon gars. Avec une enclume. Voilà, nickel. Du coup, on a ce truc-là. Et ça, c'est pas dans une enclume. Non, c'est dans un établi. Donc, j'en ai un qui traîne ici. Donc, normalement, si je clique là, je fais plus. Oh, et voilà. Et j'ai le truc qui combine à peu près toutes les défenses. Qu'on peut pas mettre. Si, on peut le mettre. Non, on peut pas le mettre. Faut le mettre où? Eh ben, contrôle. Pourtant, ah, faut peut-être enlever ce qu'il y a, ce qu'on a déjà. Allô? Merci. Ben, ou alors faut le mettre. Ah, faut peut-être le mettre là-haut. Ah, voilà, faut le mettre là-haut. Parce que lui, il nous donnait quoi? Résistance et knockback. Bon, bah écoutez, on va remettre les autres alors. Bah, on va cumuler, hein. C'était quoi lui? Bon, c'est pas grave. Et du coup, j'ai encore un truc, un collier que je pourrais mettre. On peut pas le mettre là, lui? Non. J'ai pas un collier qui traîne à la con, là. Doit avoir un collier. Celui-là, là. Non, mais il fait rien. Celui-là, contre les dégâts de chute. Pourquoi pas? Allez, on va mettre celui-là, puisque celui-là, on peut pas le faire. Partial résistance. Bon, allez. Dégâts de chute. Comme ça, on a un petit collier en plus. Et on a tout. Et j'ai eu, alors ça je l'avais depuis longtemps, mais était dans un coffre. Pareil, un truc qui nous donne 4 points d'armure. Bon, je prends. Donc, ah oh merde, c'est la nuit. Bah écoutez, on se retrouve là-bas. Hein. On va dormir. Et puis, pour éviter de trop traîner, on se retrouve de suite au manoir. Le voilà. Il pointe le bout de son nez. Il est ici. On prend un bateau. Allez, on prend un petit bateau.
que normalement j'ai préparé. Voilà. Ah oui, je me suis pris des pommes aussi, j'ai vu celle-là. Regardez, elle donne régène 2, absorption, résistance au feu, etc. Et il y a la pomme en émeraude. Régénération 3, carrément. Tout va bien. Et la force en plus. Bon, le bateau, quand tu veux. Pourquoi je peux pas mettre le bateau? Bon, il veut pas mettre le bateau. Ben écoutez, on va y aller à la nage. Voilà, nous voilà sur l'île maudite, sur le manoir. Ben, je pense ici, hein, je me suis pas trompé. Non, on va pas commencer à creuser où il faut pas. Faut déjà trouver l'entrée. Je sais pas si je suis rentré. Mais non, je suis sur une autre île. Là. Ah non, c'est là-bas. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouh, il y a des... J'avais pas vu, il y a... Enfin oui, c'est normal, je suis jamais venu. Il y a des trucs, des... On va y arriver. D'ailleurs, on va jeter un oeil là-haut. Avant d'y aller, avant d'y accéder. On va grimper là-haut, jeter un oeil. Voir s'il n'y a pas des trucs. Ça, c'est de la nether... Hop. Oh merde, quel con. Ah! En plus, là-dessus, pour en regrimper... Bon, c'est vrai que je pourrais utiliser mes élytras, mais j'ai pas envie. Pour grimper... On va continuer, on y retourne. Essaye de voir ce qu'il y a. Des fois, il y a des trucs de cachés quand même. Là, ça fait loin, non? Voilà. Il n'y a pas derrière un petit truc. Non. Bon, il n'y a rien ici. Bon, alors du coup, hop, on y retourne. On y va. Je sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre ce biome. Hein, enfin, ce pseudo-biome, on va dire. Il y a un peu de lave. Ok. Allez. Avance. Putain, pour marcher là-dessus, c'est la merde. Ah merde, je me suis pas crafté un truc pour spawner, pour revenir. Bon, c'est pas grave. Parce que j'en ai plus. Ah, quoi que j'ai ça. Mais ouais, mais non, j'ai plus de trucs. Ah zut, c'est dommage. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, on y va. D'ailleurs, il me faut de la... Il me faut quoi? Faut ça, je pense. Ah bon, alors ça, en fait. Bon, on va prendre les deux. Est-ce qu'il faut rentrer là-dedans? Dans la gueule du loup. Il y a des lits. Oh putain, c'est quoi ce truc-là? On va shifter. Voilà, je dis pas grand-chose parce que je sais pas vers quoi je vais, mais j'y vais. On va se faire une passerelle, au cas où. Ça, en shiftant, ça passe. Passer dans la lave. Alors j'aurais peut-être dû éclairer. C'est pas ça que je veux, c'est ça. Mais du monde en dessous quoi. Ok, faut passer les... faut passer. Oh putain, il y a des blazes. N'y a pas que des blazes d'ailleurs. Bon, je vais y arriver. Ah oui, j'étais en train de shifter. Il y a du monde là-dessous? Ouais. Oula, c'est quoi cette flèche? C'est pas les bonnes flèches. Voilà. Merde. Voilà. Oh putain, il y a du blaze road. Heureusement qu'on a une truc d'immunité. Putain, mais pourquoi il saute comme ça? Ok. Je crois qu'on va le faire péter lui. Ça sera plus simple. Je crois qu'on va aller faire péter les spawners maintenant.